C'est pas ce qui était écrit. Ah, mais je suis trompé. Je suis pas au bon endroit, forcément. Ah non, non, j'ai pas trompé. <laughs> Le partenaire a changé. UTC. Non, c'est bon, c'est bon. UTC et l'autre commence à 16h aussi. Il y a deux matchs qui commencent à 16h. C'est plus l'autre qui m'intéresse. Contre une contre Diamlord. Alors c'est quoi C'est les bafons Ah les bafons, hein, toujours le même contexte. Pas mal ça par contre. Plus en armure. C'est toujours le même problème. C'est compliqué du coup pour les bafons. Oh attendez. Attendez, mais il lui a sorti deux joueurs ou un Pourquoi lui il est là C'est une erreur Ah ça battonnerait quand même. Bon, je vous avoue que ce match m'intéresse pas beaucoup quand même. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10, il lui a mis un moins 1 quand même. C'est pas non plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 contre 10. Bonjour, non plus. Ouais, la même chose, hein. Bon c'est déjà que ça va être un stomp En plus il a eu le ballon Il a eu le ballon donc je vois pas trop comment il va faire Ouais ça me ravit pas ce match Oh la vache en plus le tackleur là Il est sur 3 joueurs hein. là là. Oui 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 vous que je rajoute d'ailleurs d'autres bruits d'animaux parce que je sais que les loups ça, ça a bien peut bien plus. Peut-être que je pourrais aussi rajouter d'autres choses. Hein. C'était comme Inarion hier soir. Bon, Inarion c'était juste peut-être la première mi-temps qui pouvait être intéressante, mais bon, on a vite compris que c'était. Ouais, que ça allait être un cauchemar quoi. Ouais, c'est vrai. C'est juste les match ups qui sont pas très intéressants, je pense. Ouais. Les orques ça reste quand même super fort, du coup c'est compliqué. Euh. compliqué quand même. puis là, en plus il a pris une version euh, qui correspond bien euh, à l'équipe qu'il a en face, euh, Diomed. Euh, c'est vrai que Diomed a pris le choix de de, de, de pas trop prendre de, de blocage. Il s'est dit qu'elle ça lui suffirait avec ses ce bloqueurs. C'est étonnant par contre qu'il est qu'il est. Ait... Alors je, sais, je pense que c'est une erreur malin bien. Il a sans faire la souhait peut-être mis quelqu'un dehors. J'ai l'impression que c'est le 3. Ah non, non, non. Allez, on va dire que c'est le bloqueur qui a... qui a été blessé. Vu la configuration, il a dû l'agresser, je pense. Ouais, là, il tente des plays, mais bon. C'est compliqué, quoi. Il espère, il espère faire une blessure ou deux. Mais là, vous voyez, là, c'est une boucherie. Parce que si la première esquive rate, bah, c'est mort. Là, il perd toute son équipe. Hein. Là, il perd toute son équipe si le, le, la première esquive rate, là. Ouais, il va peut-être d'abord esquiver ici et relever le, le troll. Voilà, ouais. là, 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 il n'a pas intérêt de. Là, il n'a pas intérêt de les louper. Hein. Sinon, c'est la destruction. Et ouais, c'est super déterminant là. Ouais, je pense qu'il a compris là. Hein. Il essaye de se défendre, il sait que. Il sait qu'il faut pas se battre là. Il faut pas se battre. C'est l'erreur souvent que malheureusement certains joueurs ont fait de vouloir trop se battre dans un duel que vous ne pouvez pas gagner. Hein. Ouais 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 Ah ouais il est à terre Il veut vraiment pas chercher à Parce que là le problème c'est que du coup Il va lui taper euh, euh... Non en fait c'est pas si simple Mais il va pouvoir le bloquer quand même assez bien là Il va lui mettre une garde ici Une autre là Il va être dans le beau droit hein. Ouais là il va être dans, dans de beaux droit quand même hein. Bizarre cette configuration aussi proche les uns les autres parce que bah, il va forcément se faire coller, c'est un peu étrange. Après, il voulait sûrement protéger son porteur, peut-être, mais ah, de toute façon je crois que le porteur il peut quand même prendre un coup dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. Il va peut-être devoir faire autre chose en attendant. Si la top ces gens, j'avais commencé à préparer des sons pour ceux qui sont euh, abonnés, mais putain, j'ai fait une petite erreur de, manip de, manip de manipulation tout à l'heure et bon, c'est pas grave, tant pis. C'était juste des premiers tests. Euh... Rappelez-vous, en fait, je voulais euh, que pour les abonnés, que vous ayez des trucs en plus, mais vraiment des trucs personnalisés qui sont que pour vous, pour vous donner vraiment bah, un avantage, un pouvoir. <laughs> j'ai commencé à préparer des trucs. Bon, c'était des trucs bidons, mais, mais c'est toujours cool, quoi. Toujours cool d'avoir des trucs un peu personnalisés que pour vous. Remercier ceux qui sont, hein, qui sont abonnés et tout. Enfin, bref, je, moi, je voulais commencer à faire ça là. Puis, bon, moi j'ai raté, dommage. Je voulais vous montrer un peu. Les prémices de ça. C'est pas ça. Du coup, je suis en train de regarder ce qu'on peut faire. Parce qu en fait, il y a toujours ce problème des, euh, des points de chaîne que je sais pas trop quoi en faire en fait. Et j'aimerais bien pouvoir les utiliser. Enfin, comment les gens puissent faire quelque chose avec. Ouais, j'aimerais aller loin, mais bon, je sais pas ce qui est possible ou pas. Ah, ouais, t'as vu que le match contre euh, Olivier Lac Ouais, c'est sympa, ouais. Bon, t'as vu, au début, j'étais un petit peu fâché parce que. Parce qu'à euh, un moment, je commençais un peu à me faire balader. C'était relou parce que. Euh, en plus, bah, il manquait un peu de, de chance, entre guillemets. Ça m'a un peu saoulé parce que je me disais, ah oh, c'est dommage, on se tape on, on contre Olivier Du Lac C'est toujours rigolo de faire des bons matchs. Et puis, bon, bah, je me fais avoir euh, par les dés. Puis ensuite, bon, bah non, après, c'est revenu. Ouais, bon. Après, c'était un match qui m'était très favorable, hein, quand même. Mais c'était intéressant, ouais. C'était intéressant. Salut Steph. Bien joué à toi. Euh, bien joué à toi. Pff, bonjour à toi plutôt. <laughs> What the fuck ah, Je suis fatigué là. Bah, je sais pas si le chat, si quelqu'un est connecté aussi au jeu, si vous pouvez me dire si euh, le match de. Il commence ou pas le match de. Parce que ce match là m'intéresse pas vraiment, c'est plus l'autre match qui m'intéresse. Mais Je sais pas, apparemment les deux commencent à 16h, j'ai pas trop compris. Vous voyez C'est plutôt ce match là qui m'intéresse là. Mais ils commencent aussi à la même chose, donc à mon avis ils doivent, ils ont sûrement dû démarrer. Bon quoi que t'en es, voilà, moi je vais regarder. Je vais regarder moi-même. Parce que ce match-là, là, bon... Euh, voilà, c'est pas très intéressant. Non, ah, c'est pas la folie. J'ai mon astuce. Merci, bien joué toi aussi. Ouais, GG, mec. <laughs> Bravo. Ah non, ça joue pas. Peut-être qu'ils l'ont déjà joué. Bon, on va acheter un œil quand même. On verra, il y aura peut-être du piment après. Euh, quand. Euh, quand il va commencer à. Oh, tain, mais... Je me dis qu'à ce point-là, il aurait peut-être dû prendre griffe. Hein. C'est vrai qu'il s'en sert souvent comme ça, j'ai l'impression. Ah c'est compliqué là, il doit, il, doit, il, doit, il doit chater. Ouais, il doit chater, il doit espérer pas prendre trop de dégâts. C'est étonnant qu'il laisse son, son porteur aussi loin. Alors quand même qu'il rapproche. Peut-être qu'il l'a oublié. <laughs> il a oublié qu'il <laughs> qu devait jouer le ballon. C'est possible, c'est pas impossible. Bon, il va sûrement le ramener là. Avec du soutien bien sûr. Après c'est peut-être que c'est un trap. Et il voulait peut-être essayer de piéger un peu le... Là où la configuration est... Le type d'équipe est assez mauvais. C'est juste... Après il a pas non plus 30 000 blocages. Et c'est vrai que la configuration fait un peu peur quand même. Donc là il va se faire le, le, le troll. Il va mettre le tacleur ici. Ça passe Non Par contre il n'arrive pas à trouver euh, l'armure ah, Peut-être qu'il va rester comme ça hein, tout compte fait Oui, voyez là il essaie vraiment juste de faire des dégâts mais après ça j'avoue que je suis un peu étonné quand même Qu'il ramène pas son porteur, faut faire gaffe quand même parce qu'à un bout d'un moment euh ah, il pourrait se faire surprendre, hein, pour... l'adversaire pourrait voyez, traverser tout, puis essayer de faire une espèce de double rideau euh, un peu relou. En tout cas, il doit se méfier quand même. Je ne le laisserai pas 30 000 ans au fond comme ça. C'est un petit peu dangereux. Après, le bah, problème, c'est que s'il si avance, il est obligé de... Enfin, non Il est obligé de reculer des hommes, parce qu'il pourra pas, hum, il pourra pas du coup laisser les gens tout seuls sur le front. Parce que sinon, ils vont se faire taper par la fameuse châtaigne. D'ailleurs, est-ce que... Pas dû se concentrer sur lui Voilà du coup bah, il est obligé d'un peu de reculer Hop Et là vous voyez hein, Quand il y a les deux gardes comme ça côte à côte Vous pouvez pas faire grand chose ah, J'avoue qu'il me choque un peu hein. Il a fait peut-être esprit pour essayer de l'attirer mais Ah C'est Ok, c'est meilleur de portée de tout le monde j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Il veut pas qu'il y ait de problème. Bon, effectivement, faire un tout droit me paraît un petit peu difficile. Dans ce contexte-là, ça me paraît un peu difficile. là ah là ça donne pas très envie de, bah, de rester debout. Hein. Là c'est... Oui c'est ce que j'ai dire, dire Est-ce qu'il va pas essayer de prendre lui puis... Euh, puis reculer quoi. Oh shit. Oh, -ce qu va, ouais voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'il va vouloir relancer parce que là... Hein, c'est un peu dangereux de rester dessous. Salut mon manteau. Après il a été impressionnant euh, Elliot. Hein. Elliot avait été impressionnant euh, contre euh, l'homme lézard, je crois. Il avait été très fort, donc on lui fait confiance pour, pour trouver les ressources. Et surtout, bon, bah, c'est rien, hein, ça va. C'est que de blessés. Bon, juste le rat du clan, il fait un peu chier, mais bon, c'est la vie. Bon, bah, ça, ça devait bien arriver. Ça devait bien finir par arriver. C'est bon, il va pouvoir avancer un peu tranquillement ici ou là avec une belle cage propre. <laughs> Parce que le porteur n'a pas, pas de compétences quand même, donc un petit 2D contre peut arriver à tout moment, on sait jamais. Il doit être prudent, mais bon, voilà. Ouais, là, le problème là, maintenant, c'est qu'il ne se retrouve plus qu'avec 3 relances et je sais qu'il veut garder ben, ses relances. Hein. Il va sûrement peut-être en dépenser une dernière pour, une, pour tenter une action. Mais ce sera que la dernière. Ensuite, il gardera bien sûr ces deux restants pour, euh, pour la fin. Allez, il grignote, il grignote. Ouh, pas mal. Ça fait plaisir, ça, hein, que ça résiste. Ça fait vraiment plaisir que ça résiste. Parce que c'est compliqué. Mais là, ouais, il faut qu'il reste au sol, je pense. Hein. Il reste au sol, et puis, bah, que le. Alors, oh, attention, il va se faire mettre la pression, là. Là, il va ramener tout le monde pour, bah, pour contenir la châtaigne. Attention par contre, il songe peut vite être tout seul. Combien de tours il reste Ouais, il faut quand même qu'il avance là, il faut pas trop qu'il qu tarde. Bon, il va avancer, c'est même sûr. Mais il doit pas trop, vous voyez, euh... Ouais non c'est bon, il a... il a quand même un bon truc. Ah ouais, il doit faire attention parce que le troll pourrait du coup blitzer et ça pourrait être chiant. Parce que son équipe est occupée à autre chose. Ok. Je me demandais justement où est-ce qu'il allait se placer. Donc, il s'est gardé deux orques costauds. Oh, il a assez de joueurs pour contenir un peu tout le monde. Il libère des gens, du coup. Il libère des gens. Intéressant. Va-t-il mettre son tackleur de coups derrière Non, il a pas besoin parce que le troll est trop loin, je pense. Ouais. Attention quand même, hein. c'est un peu spécial là. Hein. Ouais attention, hein. là avec un petit gophorite en plus. Euh... Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça Ah non, il va mettre le tacleur ici, ouais, ouais forcément. Pas. Enfin. Hmm. Attention! Ok, ok, ok. C'est bon. Ça faisait un petit peu peur cette configuration. Bon, il a quand même des choses intéressantes à proposer là. Si l'ogre avait déjà. Bah, il pourrait même blitz avec l'ogre avec de Hein, ce serait pas si horrible. Oula, ouais. S'il fait ça, c'est peut-être bien son intention. Là, il va prendre en moins que, J'imagine qu il va prendre cet orque là en moins. Et je sens bien là le blitz de... De... du troll hein, pour venir euh, vraiment euh, embêter. Hein. Non, même pas, même pas. Il joue safe, ok. Il va juste du coup faire un seul goferit et jouer safe. Non, non c'est bien, c'est bien. Il a raison parce qu'il il a, il a important son, son châtaigne, il doit le conserver. Il doit vraiment le conserver, ouais. Donc là, j'imagine... Ah bah, même pas, bah, voyez. Ah oh, bah, merde. Ouais, j'aurais cru qu'il aurait au moins cherché, voyez, à mettre un peu de pression pour, euh, pour capturer quelques joueurs, mais non, même pas, même pas. Pas comme quoi. Voilà il est vraiment dans la tension que voilà, c'est pas la peine, tant pis, il a pas pu faire le jeu. Bon il a quand même réussi à faire craquer l'apothicaire si j'ai bien compris. Je pense que c'est lui qui a dû être sauvé, même si c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est lui qui est rouge, donc c'est comme si... Je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. C'est quand même étonnant qu'il ait laissé un orc costaud dehors. Je pense que c'est plus comme l'avis un apothicaire qui a été lancé. C'est mettre bien sûr un petit coup. Un petit coup à la châtaigne, c'est safe. Bon, pour l'instant, il y reste plus que, plus que 13 joueurs. Hein, D'ailleurs, 13 joueurs. Mais il y a combien de joueurs en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ah non 16 joueurs ok 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 donc ça va être un petit coup de châtaigne sur la châtaigne Il va tenter donc apparemment le Le bloc Il peut se permettre, il a plein de relances donc euh... Salut casse -gueule. salut à toi mec Il peut se permettre du coup un petit coup de châtaigne Ou pas Ah non il veut ses petits slottings ouais. Il veut les petits slottings c'est vrai qu'il est en train de les grignoter depuis tout à l'heure. Il faut qu'il s'en débarrasse le plus possible. Ça fonctionne hein. Et ça fonctionne. Il arrive à trouver facilement les armures, les pauvres. Le point de, de l'orque qui fait pratiquement le poids de son corps. Forcément. Ça, ça, ça aide pas. Oh là là, et puis il lui reste encore 3 tours à tenir, comme ça, enfin 2 tours à tenir. Waouh, c'est pas évident. Et pourtant, pratiquement tout le monde est à terre. Hein. Va-t-il chercher à l'embêter pour pourrait l'embêter, oui. Il pourrait ramener le coureur jusqu'ici, mais c'est beaucoup de, de, de prise de risque là. Ah, ouais, là c'est compliqué là. Elle doit être très contente là. Ça, c'est pour euh, embêter dans le futur. Là, bah, que va-t-il faire du coup Oh, ça j'aime ça. Il a beaucoup d'armure, hein. il peut du coup se permettre d'être embêtant. Et là, il va blitzer quoi, à un dé. Bonne question là. Je sais pas s'il va blitzer un dé ou quoi. En faisant une esquive à 3 plus avant. Ouais, c'est ça. Oh, deux des contre, carrément. Ok, s'embête pas. Ouais, ouais. Il va se rapprocher. C'est intéressant, vraiment. Regardez là, s'il si, si, si capture plein de joueurs... Franchement, euh... bon, capture... s'il se place bien et qu'il capture plein de joueurs, là, il pourrait être très, très chiant quand même, l'adversaire. Hein ah ouais, c'est intéressant, là. Il pourrait mettre la pression et peut-être aller marquer. Bon après l'adversaire euh, il faut pour l'instant qu'il casse ça là Qu'il passe par le centre Mais il doit faire attention quand même l'équipe un petit peu loin Il doit pas trop faire le fou Bah non Pas la tête bah, Il essaye juste de tenter des trucs De se rapprocher Puis il essaye de, de, de mettre la pression le tour d'après Bon là ça devrait aller hein. Après il a que 5 de mouvement donc il faut pas trop rigoler Il est obligé d'être là ouais, Il est obligé d'être au moins ici est-ce qu'il a assez de joueurs pour faire une cage Ouais, c'est bon. Il a assez de joueurs pour faire une cage, mais danger quand même. Bon, je pense que le tacleur va sans moins cibler ça. Ça m'étonnerait qu'il cible lui. Quoique. Je vous... Alors, je comprends pourquoi pas tenter de coller un joueur avec le troll pour taper dessus. autour d'après, il a besoin de sortir des adversaires. Elod. Ouais, ouais, moi aussi. Je pense aussi qu'il allait jouer un petit peu plus agressif, mais pour le moment, il joue assez... Euh... assez safe, on va dire. Même là ce tour là je pensais qu'il allait tenter quand même quelques trucs parce que franchement il avait vraiment de quoi embêter l'adversaire mais il ose pas. Il veut pas flinguer sa deuxième mi-temps je pense. Et surtout avoir une chance de pouvoir marquer le, le one-turn. Alors là maintenant la question c'est va-t-il blitzer lui Bon je pense que oui parce que tout à l'heure il fait que ça mais... Il pourrait aussi tu vois aller chercher euh, le lui mais maintenant avec le puissant d'armure de ça devient un peu compliqué quoi. Et ouais c'est vrai que c'est un peu dommage. Franchement j'aurais peut-être relevé un ou deux joueurs pour, pour bloquer par exemple bah, les, bah, les, les, les costauds hein, parce qu'il est assez embêté. Peut-être. Après peut-être que c'est peut-être pas bon non plus. Vu qu'il a perdu trop de joueurs. qu'il est déjà à moins 3. Enfin il a déjà perdu 3 joueurs plus un KO donc. Ouais, que ça commence à faire un peu peur. Donc. Voilà, ça va être un YOLO. Hein. Il pourra tenter un YOLO. Et c'est vrai que... Ouais ouais. Il y a un blitz par tour, donc pas possible de taper tout le monde. Ouais. Donc là, bah bonne question. Je sais pas, honnêtement, je, sais pas, je pense qu'il va cibler le, 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 le slotting, à mon avis. Ça m'étonnerait qu'il qu qu blitz le, le corps d'égout. Même s'il si, peut le faire. Hein. Même s'il peut le faire. Ah, oh, ou peut-être qu'il va blitzer le, le blitzer. Hein. Non, 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 ok. à What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wow, cela je l'ai pas vu venir, j'avoue. Et ça marche Obligé de sortir l'apothicaire Obligé de sortir l'apothicaire Waouh, c'était un, un play à un. Ah non, c'était du 3, c'est vrai que je me suis un petit peu stressé pour rien, c'était du 3, c'était pas du 4. Attends. Non non c'était un 4, hein Oh la vache, c'était un 4 plus avec deux machins. Waouh, c'était osé, mais il l'a fait. Après, voilà, il a plein de relances, Il n'était pas dans une situation mauvaise, donc euh, il pouvait se permettre. Waouh. Bon, bah, 2 des hein. Avec le blitzer. Ou pas Ah non, non, il joue safe. Il joue safe. Waouh. Waouh! Bon, il m'a surpris là, j'avoue. C'est sûr que, oui, c'est sûr que c'est le latin. S'il arrive à, à le blesser, euh, enfin, une blessure qui ne revient pas, c'est sûr que c'est fini. Et hein. ah, puis là, bah, tu peux te sauver, tu peux faire ce que tu veux, mais là, malheureusement, tu vas te faire taper. Bon, bah là, ça va être un petit coup avec le châtaigne. As, le châtaigne est trop fort. Hein. Moi, c'est ce que j'avais dit, les gens. J'avais dit que les équipes, justement, qui ont des, châta des châtaignes. Contre les équipes qui ont peu d'armure, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Ah là, il a envie de le relancer, mais papa. Oh, la vache Il est passé à deux doigts du triple 1. Il s'aurait été mérité. Il aurait été mérité. Il aurait pris du coup l'humilité. Ah là, c'était dangereux de relancer. Hein. Oh, il a failli être puni. Hein. Il a failli prendre un triple 1. Bien sûr, c'est super rare, mais euh, franchement, là, vous êtes à un moment où vous pouvez pas vous permettre... Oh, c'était risqué, hein. J'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu des triples comme ça en fin de match ou machin, que et tu, prends, euh, tu te prends un mauvais jet de dé. Alors, oh, il a récupéré son KO, ça va. Du coup, ça veut dire qu'il est à euh, 13... Enfin, il est à 13, donc ça va. Il a encore une possibilité, mais bon, euh, voilà, hein. oh, la bonne turn va être dure quand même, hein. Oh, le venton va vraiment être dur là. Ouais, voilà, quoi quoique. Quoique. C'est juste après là que c'est un peu chiant avec toutes les gardes là, mais franchement, ça va, c'est pas si horrible. C'est plus la réception qui va être un peu dure, parce que quoi qu'il arrive, il est toujours à moins 2, je crois. Ouais, quoi qu'il fasse, il est, il est à moins 2 sur la réception. Allez, one turn, pas évident. Parce que le, le Raug permet quand même des facilités. Alors que là, ben, le troll, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un troll. Donc là, ben, il va couper le soutien. Euh, Blitzer comme ça, le mettre ici. Ah, oui, mais avant ça, il doit ramener un slotting dedans, je crois. Ah non, sinon, il peut ramener un slotting directement dedans. et, et voilà. Bon, on va, voir, on va voir, les gars. Effectivement, il peut ramener un slotting direct. Même deux. il faut qu'il en, qu en ramène deux. S'il ramène deux slottings comme ça, on a un ici, un ici, par exemple, il pourra faire un push-push de la mortée. Qui veut dire qu'il va faire pam, pam, euh, pam, pardon, pam. Et du coup, comme il a glissé le il va revenir ici. Et ensuite, bah, il poussera avec les autres quoi. Donc ça va, ça me paraît possible, franchement, ça me paraît possible. Bon, c'est un petit peu chiant, mais ça me paraît possible. Là, il doit couper le soutien. blitzer comme ça. Il faut qu'il ramène deux slottings à l'intérieur. Alors, à moins qu'il veut faire peut-être en mode classique, mais je pense pas. Non, voilà. Il va faire ça, pousser comme ça. Avec la glissade. Et après, bah, il n'a plus qu'à pousser avec quelqu'un d'autre en dessous, je pense. Ah, je... par contre, je taperai pas avec le troll. Le troll me paraîtrait peut-être un peu compliqué. Ouais, je pense que je prendrai un 3 quarts et je le mettrai genre en dessous, là. Attendez. S'il va pousser comme ça. Il faut que le 3/4 soit inversé, je crois. Ouais, voilà. Et qui pousse comme ça, et hop, c'est bon. Ok, ça me paraît bien, je crois. Par contre, il a que un slot slotting. Ah, euh, c'est bizarre, ouais. Je pense qu'il devrait peut-être changer, non, de cible. C'est peut-être mieux de ramener peut-être un slotting. Euh... Oh, attends, attention, là, il y a un changement de plan, là. C'est ça, il faut que l'on en mette deux, hein. deux slottings. Un là, un là, Allez les gars, on peut peut-être voir un beau TD. Par réflexe, je pense aussi que je mettrais peut-être le coureur un petit peu en dessous. Au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est chaud les gars. Allez, il peut le faire. Il peut le faire. Je pense quand même qu'il y a un truc qui va pas à droite là pour moi là c'est comme si qu'il allait en fait ramener un qui va ramener en fait un gobelin un gobelin là-bas quoi. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Allez. Ah merde, j'avais oublié bah oui. <laughs> J'ai oublié, il, il, il a minimum au moins un, donc c'est bon, problème réglé. J'ai oublié ça. Oh. Ça, ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que bah, hier, on l'a vu le coup. Hein. On l'a vu le coup justement d'un slotting qui a, qui a pas pu le tenter. Ou je sais plus, ah c'était contre moi. Il y a un mec du coup qui l'a pas pu parce que son gobelin s'est fait, sortir... enfin, fait assommer. Ouais. Bon, ça ne change pas grand-chose, de toute façon, il avait l'intention de passer par là, je pense. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, ça change pas grand-chose, je pense. Non. Ouais. Allez, c'est entre les mains maintenant de Nuffle. C'est entre les mains de Nuffle. Il fait un 4 plus. Un 4 plus. Oh, il a fait que des jets de dés pour le moment. Wow, c'était chaud. C'était le, le jet de dés le plus dur. Allez, maintenant il faut faire les petites esquives. Ça encore, ça devrait passer. Voilà, coupe page de soutien. Ensuite, deux mecs là, un ici, un ici. Donc, c'est rien, c'est de plus, ça, va, ça devrait se faire tranquillement, ça. Voilà, ça aussi. Maintenant, le plus dur, c'est juste en fait de pousser. Voilà, maintenant, il faut pousser avec le blitzer. Comme ça, pam, 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 pam. Et j'avoue que je suis pas trop fan qu'il l'ait mis ici parce que je crois qu'il va se faire chier dessus avec les, les gardes. Oh putain, faut relancer. Attends, ah non, non, il est pas obligé. Euh, il est pas obligé, il est pas obligé. Ouais, obligé ouais. J'ai une bêtise. Non, c'est bien joué. J'ai rien dit. J'ai vu après. Du coup il va pouvoir en fait taper ben, comme ça. Oui parce que lui il s'en fout, c'est pas lui qui est poussé. C'est <laughs> n'importe quoi. Non Ah ouais, putain j'allais dire c'est pas possible quoi. Il peut même gagner encore une case. Elle... Ah c'est compliqué là par contre. Hein. Ah sauf s'il si déplace le troll, non non même pas. Hein. Ah vous le faites ou pas les gens Ah oh, faut mieux, il faut mieux aller comme ça. Hein. Ouais voilà. Oh il peut le faire, allez L'attaque du sud c'est trop facile Oh là là, mais c'est un cauchemar. Hein. Vraiment, leur force, c'est ça les gens. C'est de faire des one turn dégueulasses. En fait, vous pouvez pas les arrêter. Ils font des one turn dans tous les sens. Il y a juste la réception qui est le plus dure Mais après, euh... oh là 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 là, vous pouvez rien faire. Hein. Vous pouvez rien faire. Vous devez juste prendre votre TD et vous taire, c'est tout. Hein. Horrible. Hein. Quel enfer. Oh, c'est intéressant. Ça relance de cool le match. Là, j'avoue que ça vient de me hyper d'un coup. Là. Ça vient de me hyper. Parce que pour le moment, le match n'était pas très intéressant. Mais là. Ça devient marrant. Bon, il a fait une grosse ligne dégueulasse. Mais il s'en fout un peu. Et là, maintenant, il va pouvoir jouer bah, son jeu. quoi. Qui est euh, la fuite. <laughs> Salut, Alfred. Waouh! Yomed doit es super fort maintenant. C'est ça, c'est dangereux maintenant. C'est dangereux parce que moi je trouve que c'est un bon choix. Hein. La glissade contrôlée plus double tête. Euh, D'avoir du coup euh, se retirer euh, une compétence pour faire ça. Je pense vraiment que c'est un bon choix. Hein. Vu que c'est vraiment la grosse capacité là dans le tournoi, c'est de pouvoir marquer les one turns. Parce que bah je pense quand même que les, euh, les baffons ne peuvent pas trop challenge les équipes. Enfin en termes de défense. Du coup, bah, le mieux c'est de tenter le one turn quoi. PNF PNF C'est aussi d'ailleurs les gens C'est d'ailleurs je voulais changer aussi les animations et tout ça Je voulais mettre euh, Je sais pas, genre pour les followers qu'en fait ce soit genre euh, Des spectateurs qui arrivent dans le stade et ensuite pour ceux qui se... Qui... Qui... Qui, euh, qui, qui s'abonnent euh, Que ce soit en fait des joueurs qui... Qui tabassent des gens sur le terrain, enfin un truc comme ça quoi Ouais salut à toi mec Merci, merci mec. De toute façon là en plus je voulais commencer à préparer des trucs spécialement pour vous les gars ceux qui s'abonnent. Et malheureusement tout à l'heure j'ai fait une fausse manipulation, bon tant pis c'est pas grave. Vous on va commencer à faire des petits trucs pour que vous ayez des trucs spéciaux pour vous. Ouais mais en fait c'est exactement ça la caméra. Je vais faire des animations, ouais, voilà, qu'il y a des animations comme ça mais bon ça par contre ça va être un peu plus compliqué. Au début je ferai un truc dégueulasse pour un peu vous montrer l'idée et puis on verra quoi. Et ensuite j'essaierai de voir si je peux pas... Euh, payer un mec pour me faire vite fait un truc bien, quoi. Il va y avoir un truc pour toi aussi, Locke. Ouais, ouais, j'aimerais bien aussi qu'on joue un peu aussi avec moi. Ouais. Je, 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 je sais pas encore trop, mais euh, je pensais à des choses. Ouais. Parce Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup de d'autodérision et il euh, y a plein de trucs qui me dérangent pas, quoi. Ah, oh, il a eu que le, que le, le plus sain c'est un peu chiant. Le plus sain avec le ballon qui est devant, donc attention qu'il n'y ait pas un mauvais événement, ça pourrait être dur. Et... Météo Capricieux, c'est bon, le ballon est bien tombé, donc euh, il est plutôt sécurisé. Avec un 2 ⁇ ramassage, ça devrait pas être compliqué. Donc là, bah, le troll va taper, il va biter avec le... Même pas, il va même pas taper avec le châtaigne, j'ai l'impression qu'il va juste... Euh... Non, il va faire juste l'Indaka tranquille. Ouais. Je me demandais en fait s'il allait blitzer avec le, le châtaigne, mais c'est vrai que là il a pas trop d'ouverture. Ouais, là il aurait une ouverture, ce serait. Il bah, faut que le troll tape, et ensuite il pourra taper. Il, faut, il, va, il va suivre, et s'il tombe, bah, il pourrait apporter un soutien et, euh, et taper. Donc euh, s'il si, y a un petit truc à faire là. Moi je pense qu'il va taper, oui il va rapporter, rapporter quelqu'un, taper ici, et si ça flash, il va pouvoir blitzer le, son, son gardeux là. C'est bien vu, je pense. Et d'ailleurs là, peut-être dû faire l'inverse, non Bon. Ouais, c'est vrai que l'inverse aurait été bien aussi. Hein. Ça aurait été plus simple de le faire à mon avis. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Non même pas, même pas, il se prend pas la tête. Ça va juste être le... un slotting qui va se mettre derrière ici, puis tapage avec le, le troll. prend pas la tête. Non mais genre tu vas toi tu vas avoir un truc tu vas avoir un truc tu verras un... avoir un truc ah bon oh oh il a essayé de le taper comme ça à poil ah c'est marrant ça parce que de toute façon j'ai l'impression que ça change pas grand chose ah ouais le... bon le problème c'est qu'il va déplacer ah oui jouer un peu avec toi on t'a pas vu à la soirée <laughs> ouais ouais je pensais mettre des trucs bah de toute façon comme je vous avais dit par exemple, donc pour les trucs spéciaux, pour les abonnés, j'aimerais que les abonnés vous voyez, puissent, par exemple, huer ou applaudir avec des émoticônes d'applaudissements qui apparaissent sur l'écran et tout. Vous voyez vraiment des trucs très, par, très particuliers pour vous. Ça, c'est ça peut, ça peut cool. Et après, bien sûr, il reste toujours quand même les petits sons euh, pour tout le monde, quoi. Les petits sons de base ça et j'aimerais ouais j'aimerais faire encore d'autres choses mais pff, je sais pas en fait je sais pas vraiment ce qui est possible ou pas quoi allez il s'en prend encore encore au plus faible et avec sa châtaigne, bah sa châtaigne donc là il a 11 contre 11 il va quand même prendre le troll bah il faut bien se placer mais bon Contre un bon joueur, bien sûr, c'est un peu compliqué. Ce qui va être intéressant, c'est surtout après. Euh, parce qu'en fait, ce joueur-là de coupe peut se faufiler un peu n'importe où. Hein. La Dakar, hein, qui reste une. une, une, une... Comment ça s'appelle il reste du coup une technique euh, bah assez dure à contrer quand même hein. c'est pas évident à contrer pour l'instant je crois que personne n'a réussi à contrer une Dakar dans le tournoi il me semble je crois hein. moi j'ai une connerie mais enfin je parle de vrai Dakar, hein. pas euh, pas que le mec il était à 4 sur le terrain et que et qui fait ce qu'il peut quoi ah, ouais ouais tu vas mettre le tackleur là Oula. Et le met derrière. C'est quoi la cage je comprends pas du coup, c'est un, un truc à rapport à quoi Il peut déjà partir à gauche s'il veut, 4-5 joueurs dans le vent. Alors, on dirait qu'il va gagner encore un tour, mais effectivement. Non, il veut gagner encore un tour. Il veut pas déclencher trop tôt. Et c'est vrai qu'il va se faire pas mal coller quand même le tour d'après. Ça va être violent quand même le tour d'après. <laughs> tu sauras en temps voulu, rire diabolique. Allez, lui transmet le ballon. C'est le genre de moment où vous avez pas envie que votre joueur fasse n'importe quoi. Ah, va-t-il bah, le reculer d'une case ou pas Ouais, il le fait quand même. Oh joli. Oh joli Ça c'est intéressant, en plus c'est son lanceur. Donc son lanceur pourrait craquer Pourrait craquer Et... Il craque et craque. Ça, c'est intéressant. Ça fait de l'espace. Bon, c'est quand même petit, mais. Que... on va regarder si d'ailleurs si le, les, les options sont. qu'hier je sais pas, ça a euh, au niveau des caméras. On va regarder si c'est. Hier, ça déconnait sur le, le sur le truc. Pas mal les gars. Belle attaque euh, du troll. Allez, maintenant ça va être fort. Ça va attaquer très fort. Ça va être du coup le dénouement. Va-t-il réussir à se sortir de ce pétrin Les orques attaquent très fort. Ça va rentrer dans l'art. Alors s'il avance, c'est qu'il va mettre du coup ses... Euh, ses guerriers en haut. Eux, ils vont, ils vont aider quoi. On Est qu va Est-ce qu'il va... S'il suit, s'il suit, c'est qu'il va coller, c'est qu'il va lancer du gophorite. Et s'il ne fait pas, c'est que... S'il le fait. C'est parti les gars. Ça colle ça colle, ça va coller du coup bah du du, euh, du gros monsieur ici euh, là là ouais attention faut bien jouer là Alors, attends un ici un ici un là et un là attention hein, faut pas se tromper la casse c'est le pseudo nageur qui a inventé cette technique technique. Ouais. chez moi c'est séparer c'est réparer le truc des armures ouais ouais mais en fait c'était juste pour les euh, les euh, comment s'appelle les rediff euh, les lives les rediffusions peut-être J'avais des problèmes hier avec les rediffusions, donc je me demandais si... Euh... Peut-être qu'en live, non, c'est peut-être bon les gars. J'ai peut-être pas de problème. C'est déjà mort pour l'orque, il va trop coller sur moi. Ah, tu vas voir que c'est quand même tendu. Hein. Parce que les orques c'est quand même chiant parce que c'est rapide en fait. Mais bien sûr, c'est vrai que du moment que ça passe, ça va passer. Hein. Une fois que ça passe, c'est très dur après à, à stopper. Mais tu vois là par exemple, regarde je vais te donner un, 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 tips, euh, un tips, mais tu vois par exemple il a qu'un seul slotting et ça c'est super important d'avoir cette info là. Parce que du coup en fait c'est vraiment les slotting qui peuvent vraiment tu vois faire des dingueries. Alors que là il en a aucun, il a bien fait de cibler que les slottings, pour moi les slottings c'est vraiment le danger de l'équipe. Hein. Parce qu'ils peuvent vous passer à travers et faire euh, vous voyez un, un retournement de situation, alors que là bah, les gobelins c'est beaucoup moins safe et beaucoup plus dangereux. Et en plus les deux sont remplis par... Euh... pour ça que je suis un peu étonné qu'il ait fait cette... Euh... Allez, donc là, ça va partir d'un coup. Mais effectivement, t'as raison, là, quand même... Euh, ouais, je vois, je vois que la gauche, elle est quand même bonne. Allez, attends, gauche ou droite Ah, bonne question. Là. Bonne question, la droite est bien aussi, hein. En se collant, tu vois, euh, à l'arrache. Donc ça, t'es hors du, du tacleur et compagnie. Ah, bonne question, les gars. Franchement... Honnêtement, je sais pas trop, là. Je sais pas trop, gauche ou droite, franchement. Euh... Ah j'avoue que la gauche est bien aussi quand même. Et le danger, bah c'est ça, là. Il ne doit... il peut pas laisser euh, ça traîner là. Sinon il va se faire couper. Allez, ouais, droite ou gauche, les gars. Bon, apparemment il a décidé de prendre la gauche. c'est risqué ça, quand même. Parce qu'il va pas pouvoir protéger son porteur là. là ça à dire qu'il a l'intention de venir au moins jusque là quoi donc il va venir un ici un là le gobelin pour... ah, le, go le gobelin pourrait taper le cet orque là hein, c'est vrai hein. ah c'est vrai il pourrait se mettre. ah mais c'est chaud quand même ouais voilà ah ouais là il a l'intention je pense de taper avec le gobelin mais c'est assez dangereux hein je suis pas super fan mais bon normalement s'il met deux joueurs il il, il, a, il aura pas de problème Oh je crois à mon avis il va pas se prendre la tête. Je pense qu'il va, il va taper sur lui. Et ensuite il, il va juste mettre le, le, euh, quelqu'un devant en fait le tacleur hein, pour pas qu'il lui fasse une surprise. Hein. Allez, plus qu'un joueur. Oh, il faut qu'il mette deux joueurs comme ça. Trois même hein, les veut faire un push-push, ça peut être marrant. Waouh Deux décontres contre. Waouh. Bon alors ça j'avoue, je m'y attendais pas. Ils ont pas peur. 5 hein. relances en même temps, ça va. Hein. De décompte, c'est pas une catastrophe. T'as quand même les balls, hein. Ils ont des balls, hein. Ah ouais. ouais. C'était dangereux quand même lui il pouvait de se dégommer lui. Et derrière, bah le tackleur pouvait venir. Euh... Attends. Ah non, il était coincé quoi qu'il arrive non. Ah ouais, il était coincé. Pff, ah, il fait un très beau tour là. Oh il fait un très... Ah c'est plus un beau tour là. Non mais what the fuck Incroyable ce que vient de faire Elliott, c'est fou L'attaque par la gauche qui marche à ah, merveille Waouh Et il se prend un turnover cup maintenant. C'est fou les gars Blood Ball hein. Oh là, là c'est fou. Mais je pense que honnêtement qu'il a bien sécurisé. Donc là, ça va être très compliqué pour... Euh... Oh il reste encore des choses à faire, mais... Waouh Ah franchement comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit euh, Là je... Ah, franchement Ouais il doit quand même suivre la Diomède hein. Il sait que c'est dangereux Mais honnêtement il a encore des solutions Regardez S'il arrive à dégommer euh, avec lui Derrière il va chercher au, euh, le porteur hein. Moi j'irai le chercher euh, à un 3+, hein. Franchement il doit revenir pour moi euh, Le problème c'est qu'il est en galère quand même là hein. Il est en galère de joueur Il est très très juste là hein, Dans ce qu'il doit faire là. là je crois même qu'il a pas assez de... Oh mais non. Ouh, ça va être dur. Ça, c'est dur, ça, par contre. Oh, c'est dur, ça. Oh, c'est dur, les gars. Ah, ouais, moi aussi, je pensais qu'il allait esquiver, mais non, pas du tout. Donc là, c'est. Oula là, ça me semble compliqué, là. Oh, ça va être du, euh, du bourrin, là. Ça va être euh, bam. Et après, essayer de venir ici. Tout en sachant qu'il a double tête. Ouh. Entre le beau tour de, de Lyot et là maintenant uh, Diomed qui fait un tour euh, un peu spécial. Oh c'est chaud Oh c'est chaud là En plus ils se retrouvent même en infériorité numérique sur le terrain. Ah non ils sont peut-être en. Non je, non, je crie pour rien, mais non. Non, ils sont à 9 contre 9. Mais le problème c'est que ça arrange pas du tout les affaires de, de Diomed. Parce que être euh, au même nombre que le, que le Baffon, c'est pas une bonne idée. Surtout qu'il y a encore un slotting chiant et relou qui va revenir le tour d'après. Il a 5 relances. Bon, oh, ça sent pas bon, ça réfléchit, ça réfléchit parce qu'il le sait. Il le sait que c'est un tour décisif. Il le sait que c'est un tour décisif, c'est peut-être même le tour du GG. Bon, on s'enflamme pas, il y a quand même un, un 3/4 qui pourra peut-être faire quelque chose. Mais bon, de toute façon, il a assez de joueurs pour pouvoir le, le couvrir. Bon, après, le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas de blocage hein, sur ce truc-là. donc... Euh... Allez, c'est parti. Donc, il va essayer de le bloquer. Il va taper et ensuite ramener son bonhomme juste ici. Il essaye de créer du jeu une petite armure qui passe wow, le scaven qui est évacué du terrain parce qu'il a pas compris ce qui s'est passé il a vu un tracteur lui arriver dessus il a pas supporté hop il va mettre lui du coup ici pour bloquer ah oh c'est compliqué là c'est compliqué parce qu'en même temps, il ne peut pas non plus trop se laisser emporter. Ça, c'est fort, par contre. C'est bien, ça va lui permettre de, de bien respirer. Ouais, c'est pas mal ça. C'est joli, il faut pas qu'il avance. Il doit rester comme ça, je pense. Il doit rester comme ça pour couvrir le centre, pour pas qu'il lui mette une droite. Oh, pas mal, joli tour. En tout compte fait le tour, il est assez intéressant. Il lui a mis une, une moins deux. C'est intéressant. Alors, va-t-il y aller tout droit comme un gros dégueulasse C'est la question à. Hein. Il peut le faire. Ou va-t-il plutôt. Il euh, y, y a sur le centre là que c'est intéressant, il pourrait blitzer ici. Très intéressant le centre là. J'irais même beaucoup plus intéressant peut-être. Ouais. Ouais ouais, et je crois qu'il a assez de vitesse pour quand même faire ça et se barrer en diagonale par là. Bon non, il s'en bat les steaks, il s'en bat les steaks, il fait un tout droit. Tout droit dégueulasse du joueur, idiot qui s'est en train de passer. Il faut faire le go for it, même deux. Deux go for it à faire! Oh, le premier qui passe pas peut-être. Si ça passe, le deuxième qui passe aussi, c'est bon. C'est sécurisé. Le bloqueur ne peut plus repasser. Maintenant le danger, c'est lui le trois quarts. C'est le trois quarts maintenant qu'il faut sécuriser, qui pourrait être cherché par le, par le slotting. Il va sûrement blitzer ici. Peut-être, ça, ça me paraît peut-être bien plus intéressant. Voilà, c'est ça. Oh, ça ne passe pas. Ah, c'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant. Ah, que va-t-il faire Ouh, d'ailleurs, non, c'est bon. Ouais du coup bah il est obligé de le laisser. Oh il va quand même. Oh putain je, je me suis demandé justement s'il allait faire ça. Mais il le fait. Il le fait. Et ensuite il va aller chercher avec le slotting, du coup, le, le 3 quarts. C'est l'espoir. Mais non Le double un Incroyable retournement de situation Du coup, Diomed est encore dans le coup, il va pouvoir aller le chercher Mais c'est compliqué C'est compliqué Parce que même s'il fait les deux au sol, il pourrait se, se, se prendre avant à cause du putain d'armure qui a été donné par Neufel Aïe 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 ça devient intéressant ça devient intéressant aïe 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 Le tacleur or sous-estime comme comme au tour d'avant. Ouais je suis d'accord avec toi, le tacleur peut-être que... Je sais pas. Je sais pas ouais. Je pense aussi qu'il aurait peut-être dû le faire revenir avec autant de relance. Moi franchement j'aurais préféré plutôt revenir, hein. j'aurais eu un peu peur mais bon. Pour l'instant écoute... pour l'instant écoutez ces choix. Voilà. Il y a danger. Il y a danger là. <laughs> Franchement, le, le mieux qui pourrait se passer, c'est que pour Diomed, en fait, il arrive à flasher et qu'il arrive à, à, bri, à briser l'armure. Mais s'il ne brise pas l'armure, même s'il prend un LED au sol, s'il ne brise pas l'armure, c'est le show, quoi. Donc là, il va y aller, hein. Il va aller avec le 3/4, c'est sûr et certain. Avant ça, il va se faire plaisir, il va tabasser. Ouh, ouais, et puis les KO sont là, les KO sont là. C'est digne de tirer le jardin tes commentaires, je suis à fond, là. <laughs> Merci, mec. Même si on un peu dormi au début. Donc là, il va prendre des blocages safe. Donc le tackleur qui va taper ici. Euh, le 3/4, euh, bah, il pourrait le. Ouais, faut il faut qu'il remonte là, c'est pas la peine. Là, ici, je pense pas qu'il va taper, ça ne sert à rien pour le moment. Allez hop. donc ça, c'est le dernier blocage avant l'événement. Ça y est, les gars. C'est le match. Le match est là. Sur cette action de. Je sais pas comment il s'appelle, mais. Allez, c'est parti. Il ne flash pas, il va relancer. Va-t-il réussir Ah, pourquoi il hésite Il faut relancer là, il n'y a pas le choix là. Il faut taper dedans. Il ne réussit pas Il va pouvoir du coup tempo un tour. Incroyable Il va falloir maintenant que le 3 quarts lui tienne par la queue. Mais ça va être très compliqué. Seul un double 1 pourrait sauver du coup le, le Diomed. Oh il n'a pas le choix. Très bien vu, il n'a pas le choix parce que sinon il se fait tempo. Et c'est pas ce qu'il a envie. Du coup, il se met à porter pour pouvoir... D'ailleurs, va... est-ce qu'il va... Non, c'est bon. C'est déjà, il a déjà créé un espoir en réaction à esquiver ce troll. Incroyable. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça, sinon il se fait tempo. Mais... Mais ça arrive au même. Il va quand même se faire tampo quoi qu'il arrive. Ah oui, il aurait peut-être dû faire un go for it là. Hein. Ah Le troll qui le pourchasse, incroyable. C'est du 4 ⁇ contre du 4 ⁇ et ça fonctionne, tous les deux jouent bien. Et là, du coup, il va se faire tempo tranquillement. Eh oui! Il gagne des tours! Et gagner des tours! C'est gagner le match! Il prend le risque, du coup, encore du double 1. Et c'est surtout que, du coup, Diomètre risque de, de consommer des relances à ah, essayer de le chercher! Avec les deux goforites Allez! Je... Oh la vache, quel homme! Quel homme à deux décontres! Ici, il arrive à esquiver. Il peut esquiver aussi son trois-quarts. Bon, même si ça sert à rien, mais c'est marrant pour le fun. Allez, esquive. Voilà. Il sait de toute façon, il sait de toute façon qu'il va pas aller le chercher. Hein. Il va pas aller le chercher ici parce qu'il a besoin. Mais non, si, mais si, mais si, si, parce qu'il peut pas biter, ouais Ah bah non, c'est vrai que même demande si il aurait peut-être pas de duré, de durer, c'est au sol, non Ah, c'est peut-être au cas où, ouais. au cas où s'il fait un double 1 puis que le ballon part dans tous les sens, ouais, il a pas tort. Il ouais. faut mieux jouer le coup à 100%. Il a raison. On sait jamais parce que s'il arrive... Ah bah non. Ah bon. oh oui, ça c'est bien. Il lui met du coup juste la pression. Il fait une tour de contrôle. Oh, alors là, le, le pire troll qui pourrait se passer, c'est que... Attendez. Ah non c'est bon, il est apporté, j'ai rien dit. Le pire troll qui aurait pu se passer en fait, c'est que c'est que le troll arrive à bisser puis qu'il colle, mais bon là non, ça, ça va pas se passer comme ça du coup. Musique de Benil sur l'esquive de l'or qui est la poursuite du troll. Non mais oui <laughs> <laughs> J'avoue que les deux là, ils ont tous les deux fait un 4 pour poursuivre, c'était assez rigolo. T'imagines un film de policier avec juste que des nains quoi, <laughs> ça serait marrant. Starkey et nains, Starkey. <laughs> et les mecs en fait ils courent super lentement et tout, c est, c est vrai. ça pourrait être marrant. Allez, du coup, il va le chasser, il va le chasser. Le but là, maintenant, c'est d'essayer de créer beaucoup de blessures pour pouvoir mettre le deux tours. Là, il sait qu'il va se prendre le but, il est pratiquement sûr de se prendre le but. Et le but, bah, c'est d'aller. Euh... Là, il va encore faire une esquive alors. Mais non. Mais non, je meurs. Il va le taper un dé. Oh oh là 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 Il va le coller, du coup, là. Non, il va pas le coller. Je pense qu'il a pas envie d'utiliser des relances, hein. Mais s'il y va, mais s'il y va Mais s'il y va Allez, un petit blitz avant de partir, peut-être Putain, s'il fait ça, il a une paire de couilles. Hein. S'il fait ça, il a une paire de couilles. Mais là, bon... Bah... Non, il le fait. Ah non, là, il essaie juste de revenir au cas où. S'il loupe, son double 1. Bon, il peut pas tempo, on est d'accord. Non, il ne peut pas tempo, ce serait n'importe quoi. <laughs> il essaye de lui vomir dessus. Touchdown d'Eliott Incroyable Après, fait... Après la... d'avoir marqué donc un one turn... Ça l'a mis vraiment bien dans cette game. Euh, L'attaquant, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le voit le faire et il le réussit très très bien. Même contre une équipe d'or qui est affamée, qui veut manger des slottings. Ouh. Ouh. Ah, il manque quand même pas mal de joueurs au slotting. Au, euh, au, euh, au bas-fond, pardon. Va-t-il du coup tenir Il faut tenir Il faut tenir trois tours Ça va pas être évident, mais c'est possible, je pense. Pourquoi Parce que le lanceur n'est plus là et sans le lanceur, eh ben, ça a pas l'air, on rigole, mais les orques les ont quand même cette capacité de passe qui est pas non plus horrible. Ça reste quand même une option. Une option disponible. Certes spéciale, mais certes disponible. Allez, il peut le faire, hein. il faut juste pas que le ballon soit au fond de terrain. Si le, baron, le ballon tombe devant, franchement, il peut le faire en trois tours, ce serait pas scandaleux. Oh le bas fond là, il va falloir qu'il résiste. Va-t-il pouvoir le faire On ne sait pas. Franchement, pour moi ça va dépendre du ballon, le chat. je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va dépendre d'où est-ce que tombe le ballon. Est-ce qu'il va faire une vous ou pas Mettre le ballon au fond de terrain ou... Oh mais non Mais non Ça c'est terrible C'est terrible La relance Plus le ballon qui va sur un, un, un des mecs de devant C'est la double punition Aïe 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 ça fait mal ça Ça fait mal Maintenant c'est Elliot qui est en sueur Parce qu'il sait Il sait qu'il va prendre ce deuxième but Il y a des très grandes chances qu'il le prenne Ou ça va être difficile Ou ça va être difficile à moins que son orgue fasse un triple Triple sol triple sol Non je crois pas hein. Alors, Ça serait quand même vraiment pas de bol S'il si fait un triple sol Je pense qu'il va se garder à mon avis le blitz Peut-être pour le slotting Ah ouais mais il n'aura pas de quoi le, le, le couvrir S'il fait ça Hmm. hmm, il réfléchit, il réfléchit quand même. Bah il y a les... je pense qu'il faut quand même être agressif à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça. Il y va. Oh, il le tape au porteur. Ouais. Après, il aura encore le, le temps de le faire. Ouais. Ok, ok. Du coup, il va, il va beatser, alors avec le, le châtaigne, c'est ça Oh là là, les gars Ouais, le kick est tellement important et en plus il gagne de relance, donc ça veut dire que euh, Diomède va pouvoir être très agressif, très sauvage. C'est chaud pour le bafon, hein, si ça va en prolongation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, la prolongation est vraiment pas bonne pour le bafon, ouais. parce qu'en en fait la différence avec tout à l'heure, c'est que là il commence à manquer de joueurs. Et puis bah les daka c'est bien, mais pas tout le temps quoi. Là, ça commence à être compliqué quoi. La chatte. Ah oui, oui bah là c'est pas ouais ouais c'est pas le qui est en face les gars, là hein. Ah ouais. Et puis c'est pas en vrai, c'est pas non plus Ordidavo qui botte le ballon quoi. <laughs> ça aurait été moi le ballon, je peux te dire qu'il aurait été ici dans le coin là, pile pôle ici. Hein. Ah oui, hein, j'ai eu deux fois le coup malheureusement. C'était un peu dur. Le porteur sur place c'est chaud pour le TD en deuxième tour. Moi aussi je suis pas super fan, j'avoue, je pensais vraiment qu'il allait être un peu plus agressif. Mais euh, voilà, bon ça marche quand même, regardez, hein, il va pouvoir être super agressif et bien l'embêter quand même. Mais j'avoue que... ouais. Ah ouais. C'est quand même dangereux parce que bon, après c'est vrai qu'il n'y a plus de slotting sur le terrain. Mais c'est quand même dangereux hein, il pourrait tu vois réussir quand même à se défendre à l'arrache. Bon, bon j'avoue que ça va être quand même compliqué mais... Allez, il ne faut pas louper ce le bloc. Bon c'est pas grave, il va pouvoir retaper près à côté. Voilà, il éloigne. Et ensuite, il retape. Il va peut-être taper, euh, voilà, c'est ça que le 3 quarts peut-être Non, même pas. Oh c'est intéressant le, le truc qui, qui tient, c'est toujours bien. Il se met une légère pression. Euh... Du fait qu'il peut du coup euh, euh, prise, rendre prisonnier tous ces joueurs là. Elliot a trois relances, il peut tenter des dingueries. Je suis entièrement d'accord, hein, c'est ça le problème maintenant. C'est que parce qu'en fait cette petite relance supplémentaire elle a pas l'air, mais elle est quand même très importante parce qu'il peut vraiment se permettre plein de choses quoi. Alors que quand on en avait deux ou une, bah, vous jouez pas de la même façon. Alors que trois c'est vraiment, euh, vous pouvez balancer vos, vos relances, c'est pas très grave. Hein. Mais à deux et à une vous voyez tout de suite vous réfléchissez quoi. Vous réfléchissez, vous réfléchissez à ce que vous devez le faire ou pas. Allez, est-ce que Lyot va nous faire un peu de magie C'est vrai qu'il y a quand même un. Non, il n'y a pas de quoi jouer là hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça serait de la folie. Ah oh, mais en même temps la situation est dégueulasse là. Ah oh là là, la situation est mauvaise. C'est mauvaise, Jack Ouais, la situation est pas très bonne, mais il a quand même un centre fort là avec le troll. Il va peut-être lui permettre d'éviter cette diagonale et de conserver peut-être que le tout droit et le, le gauche. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Il pourrait réussir à conserver ce côté droit ouais, sans être embêté ici et juste d'être embêté sur, le, sur ça et ça. Puis, ouais, comme on disait, le problème de c'est qu'il va pouvoir aussi se permettre par exemple bah, des dingueries comme de transmission. Vous voyez Allez, c'est parti, le slotting qui est important. Il faut bien le placer. Parce que comme il a glissade contrôlée, bah, il peut être très très chiant. D'ailleurs, je... est-ce que vous croyez qu'il va tenter un... Hmm. Je sais pas s'il va le mettre là, et après lui ici, et après essayer de se défendre comme il peut. Oh, il a quand même du choix, il a quand même des choses à faire. Hein. Intéressant Oh mais non Faut relancer là Ah mais non, c'est vrai, il y a la prolongue. Pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oui oui, parce que là il est en mode prolongue. il se dit bon, bah ok. C'est pas grave, c'est mort. Mais au moins, je vais aller chercher le... Oh, c'est chaud, là. Oh, c'est chaud, là. Ce qui vient de se passer. Le troll qui a été confus. Il a utilisé sa tête à la place d'utiliser ses bras. Où j'ai bégayé. <laughs> Gros problème de coordination. Ouais, non, en fait, je comprends pourquoi il relance pas. Parce qu'il espère avoir le ballon en prolongation. Et de, de, et de gagner le match comme ça. Hein. Il espère. Mais là, c'est dangereux. Parce que tous ces bons joueurs sont corps à corps. Et... Euh... C'est dangereux là. C'est vraiment dangereux. Je, je, je me demande s'il va blitzer avec le porteur ou pas. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Alors, il pourrait avec une relance ça se fait. Mais il doit d'abord mettre des gens à, à portée pour pas se faire prendre comme un jambon. Je mettre lui ici. Non, 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 non. Ah mais non il y a le mec de derrière. Bah oui j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bah oui il y a le mec de derrière. Du coup il va blitzer avec le, 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 le bloqueur. Ouais. Bah non. <laughs> Attendez. Ah il va peut-être qu'on je sais pas les gars, là franchement je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Attendez que je regarde. Ouais 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 ouais. Ok. Et ensuite il va blitzer. Ah ouais pardon, Et voilà, il va blitzer du coup le, 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 le porteur. Mais du coup, il va falloir qu'il se protège avec lui. Oh c'est bon, il a déjà ce qu'il faut. Ouais, voilà, il va faire ça, je pense. Il va blitzer quoi alors De ce sens là Pour tenir tout le monde Hmm, ça ne sert à rien. 2D le MB et blitz le, le, le... Ouais, ouais, je pense aussi Là hein. je pense qu'il va le blitzer mais... Ah, j'ai un doute quand même hein. Hmm, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il va aller chercher le slotting hein. Non, mais bah non. Non, non. Ouais, le, le franchement le, le, le coureur est intéressant quand même hein. Parce qu'il sait que le coureur c'est fini hein, s'il tombe il est fini quoi. Allez, c'est l'attaque Et ça fonctionne Il trouve une armure dessus le chaos C'est peut-être le tournant du match parce que si le chaos ne revient pas c'est fini Ça c'est fou hein. Deux fois qu'il a été le chercher et deux fois, la première fois c'était une blessure et là maintenant c'est le chaos C'est peut-être le tournant du match Aïe 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 Oh la boulette Ah c'est pas bon là Ah c'est clairement pas bon là Ça sent la... La fin des airs échos là Ah ça va être dur hein Putain s'il peut rien faire avec trois relances ça va être terrible Oh, tout va dépendre du coup bah, de qui a le ballon quoi Mais non Encore 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 ça va être compliqué maintenant Comment va-t-il pouvoir faire ça En fait son seul espoir c'est ça c'est d'avoir le ballon et de marquer euh, de marquer euh, assez rapidement en 2-3 tours Encore Et puis de... Voilà. Ça fait beaucoup là non C'est chaud là hein. Ça me semble très compliqué pour le bas fond Regardez la liste est longue La liste est longue Regardez jusqu'à où ça va Honnêtement, hein, si, le, si le guerrier, euh, le d'égout ne revient pas, c'est GG. Hein. Moi, je pense que c'est GG. Peu importe qui a le ballon. Faut coller le snot au porteur de la balle derrière. Où... Oh là, là 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 là, quelle catastrophe! Quelle catastrophe, il a essayé! Oh là là, puis il va perdre encore un joueur ici parce qu'il va le biter, c'est sûr. Avec le, euh, le château. Oh, c'est dur, hein. c'est dur, il était vraiment pas loin. Oh, Marc, c'est pas fini, il reste un Gophorite. On sait jamais. Oh, c'est sûr, t'es Double 1 sur le Gophorite, ce serait terrible. Allez, petit 3D. C'est bon, ça passe easy crème. Alors, si lui, il die... Tain, là où le Châtaigne a été très fort dans ce match. Tain, il a flingué vraiment la moitié de l'équipe. Oh, vache, c'est la première fois qu'il rate un jet avec lui. Allez, alors peut-être Alors peut-être Non, c'est bon. <laughs> alors là, les gars... La cabane est tombée sur le chien. Le médecin va avoir du travail. Hein. C'est lui... Euh... Oh, alors, mais là... Pff... Voilà le bah maintenant les gens. Est-ce que le chaos revient et qui a le ballon Est-ce que le chaos reviennent Oh alors peut-être Le coureur qui revient Par contre le porteur n'est pas revenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok. Et qui a le ballon Qui a le ballon alors Oh là, là attention il y a son max. Qui va prendre le ballon Alors peut-être Le joueur peut-être Il est bien sûr en sous-effectif. Il est... Il est envahi par les orques! C'est le déferlement des orques! Mais il a le ballon! Alors peut-être! Voilà, exactement! Maintenant, le fait que, que le Bafon a le ballon, il peut le faire! Il peut le faire! Sans le ballon, je pense que c'était vraiment perdu, c'était fini. Mais là, alors peut-être! Parce qu'il a son coureur magique! Avec lui, il peut tout faire! C'est une Ferrari! Une Ferrari qui passe à travers tout le monde! Donc là bah, il faut pas qu'il plaisante l'Orc. Voilà, il rectifie un petit peu parce que tout à l'heure il a compris ce qui s'était passé. Oh là, c'est un super intéressant là maintenant. 1, 2. Heureusement que le porteur n'est pas revenu. Parce que là, ça aurait été très embêtant encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il a 8 il a joueurs, hein Il a 8 joueurs, hein 8 joueurs contre 10, hein. c'est pas rien, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça 10 joueurs contre 8, c'est pas fini, hein c'est vraiment pas fini, hein Surtout que là l'orque laisse les côtés... Ah oh, c'est étrange ailleurs, il laisse les côtés. Ouh, je suis pas fan de ça. Ouh, je suis pas fan de ça, il laisse les côtés. Hmm. Ah, je... ah oui, voilà, c'est peut-être déjà un peu mieux de mettre un orc costaud peut-être. De toute façon, la loss, il peut pas la prendre, hein Moi je pense pas qu'il va aller chercher la loss, le, le... Mais j'avoue que je mettrais en moins des têtes des costauds pour mettre de la difficulté, parce que là ça fait un peu peur. C'est un peu trop facile. Ah, je sais pas. Hein. Oh, j'aime pas trop cette configuration. Bon, le tacleur est bien placé, mais. Je ne sais pas. Ah, oh, je sais pas quoi penser là. Il peut screen. C'est mort pour l'Orc. Le, le tacle en safety au milieu, c'est déjà mieux, ouais. Sans Ogre, un gros raté, ouais. Sans un gros raté, ouais. Ouais, ouais, franchement, là, je pense qu'il a un coup à jouer sur le côté, hein. Alors, soit il tente le tout pour le tout avec l'Ogre, le, 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 le troll. Mais là. Oh, euh... attention, par contre, il colle tout le monde. S'il y a une défense parfaite, euh, ça peut être pas rigolo. Oh, il va tenter à la droite Pourquoi à droite Ah, je sais pas, j'aurais peut-être tenté à la gauche, moi. Le fait qu'il y ait la châtaigne plus la, le gardeux euh, me convient pas trop. Ah oh, c'est bizarre. Attendez, mais il va faire du 1 pour 1 ou quoi Parce que c'est vrai. Que... Oh, oh, quel levé de bord intéressant Il va pouvoir du coup récupérer directement le ballon par contre, attendez, mais il veut faire quoi en fait J'ai l'impression qu'il veut directement coller peut-être le tacleur. Et ensuite percer... Euh... Ah ouais, il peut faire ça et percer comme ça. Hein. Ouais, c'est une de portée, ok. Donc là, il veut quand même essayer de gratter des tours. Bah non, il fait encore une Dakar. <laughs> bon, alors ça là aussi, je ne l'ai pas vu venir, mais c'est vrai qu'en même temps, il a 8, donc c'est encore possible. <laughs> Putain, il a vraiment confiance en son jeu, c'est ça qu'on adore. Elliot qui est totalement confiant, il va lui refaire le même coup que tout à l'heure. Il va attaquer. A4, A2D, dans la tronche de l'orque. On veut du steak d'orc. Allez, le troll. Va-t-il comprendre ce qui va se passer Il attaque Oh, bien dommage. Du coup, il n'arrivera pas à faire la différence. Il a confiance. Il a confiance en son jeu. Il sait ce qu'il faut. Il sait qu'il est bon, il sait qu'il pourra se sortir de situations délicates. Il lui reste en plus deux slottings, enfin pour le moment. Mais il lui reste deux slottings, et tant qu'il y a des slottings, il ben y, euh, y a des victoires. Après, il reste quand même les gobelins. Même les gobelins peuvent faire aussi des dingueries quand même, même si c'est beaucoup moins safe. Oh là là, c'est excitant. Mon dieu, il veut s'occuper du troll. Est-ce que c'est peut-être pas une erreur de s'occuper du troll En plus, ça veut dire qu'il va attaquer ici. C'est peut-être pas une bonne idée. Là, il va se faire emporter là il va partir par la gauche là Il y a un problème <laughs> Non, il va revenir au centre. Il va revenir au centre avec son châtaigne j'imagine. Il va revenir, euh, je sais pas, euh, là où... Ah il se fait attaquer là, pour moi il se fait attaquer à la gauche là. Il se fait attaquer à la gauche là. Il l'a pas vu venir Il l'a pas vu venir il pense qu'il va attaquer à droite, mais non! Il faut jamais être de droite, il faut toujours être de gauche! <laughs> il a pas vu venir? Mais c'est mort là, il va attaquer à gauche! Oh putain, alors là je meurs s'il refait un tour en bas! Non, c'est impossible! Non, ce serait trop. Mais si! Il le fait, mais il prend fou Mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Oh, je sais pas, il y avait une occasion là, non? D'attaquer! <laughs> Putain, c'est risqué, les gars, non? C'est moi qui suis fou, quoi. Ah, je sais pas, je trouve ça risqué, là. Il va se faire, il va se faire, euh, il va se faire manger, là. C est, c est, là, c'est une erreur pour moi, là. Allez, je peux pas juger parce que Elliot, pour l'instant, fait des Dakar incroyables. Il s'est pas encore fait stopper. Mais là, il me fait peur. Hein. Oh, je suis pas confiant pour lui, là. Et puis, il va se faire coller comme un sauvage. Hein. Oh, je suis pas confiant pour lui, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça sent un parfum de. C'est vrai qu'il aurait pu se faire bloquer, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Ah, je sais pas, je sais pas trop. Oh, dommage, il a retenté le coup. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Le troll qui reste à terre. Il veut gagner des tours. C'est risqué, mais il sait qu'il passera sur un de plus. Oui, oui, clairement. Là, on voit qu'il veut gagner des tours. Il sait que c'est, bah, il sait qu'en plus que l'Orc peut marquer facilement, en... je dirais, aller en 4 tours. Parce que 3 tours, il faut être chanceux sur le, sur le truc. Donc c'est vrai que là, bah, il a besoin de gagner des tours. Et s'il avait attaqué, bah... Pff, ouais, ouais, c'est vrai que ça aurait été un peu... Euh, bah, il aurait marqué en 2-3 tours, quoi, mais... Ouais. Et puis il sait que du coup, avec ce dernier mouvement-là, c'est-à-dire que l'adversaire ne pourra plus revenir. Ouais. L'adversaire ne pourra plus revenir. Allez, c'est parti pour l'attaque À 3D Ça passe, les deux au sol Du coup, va-t-il prendre le risque de faire un go for it Pour... Je pense pas, il est pas obligé là à mon avis. Il, il devrait plutôt le faire avec les autres. Et juste commencer à se positionner. Il est pas obligé de faire le gofferrit là pour moi. Ah oh, c'est pas non plus safe hein. Là juste il va laisser un trois quarts derrière et encore il est même pas obligé. Central a bien joué quand même hein. Ouh il réfléchit, il réfléchit. Il réfléchit, il lui reste plus qu'une minute quarante. C'est fou ça, c'est celui qui a la plus petite qui qui, 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 qui sait ce qu'il a à faire, ça qu'on ressent quand même, elle est très confiant dans son jeu, hein, c'est quand même assez impressionnant. J'ai trouvé très confiant. Quoique. Elle euh, est quand même dans la même configuration, sauf que cette fois-ci, il garde le tacleur derrière, il comprend qu'il y a un danger. Donc du coup ça veut dire qu'il va garder je pense le, le, le 3 quarts sur l'ogre pour pas que... Euh, ouais voilà. Parce que sinon il aurait pu le blitzer, puis après le coller ça aurait été euh, juste horrible. Ah, je sais pas. Bon, il va mettre du coup lui ici. Et ensuite, il va garder les deux pour coller, je pense. Oh, oh là, là si les gophorites se ratent, c'est GG. Hein. S'il rate ses gophorites c'est fini. Oh Alors peut-être le gophorite Il est sur une banane Ah, quoique ça. Mais non, c'est bien là. Oh Mais il a une super attaque là Elliot t'as une super attaque là, il va percer par le centre mais bah, Par contre, il est obligé de beat avec le 3 quarts, ça c'est gênant. Oh, il va percer par le centre, on est tous d'accord là. Hein. Et ensuite, il va cager ici, tranquillou. Tain, en plus, le. Le... le, le... C'est incroyable ce match, c'est incroyable. J'avoue, il a pas osé relancer. Ah, je, ah, je sais pas, c'est dangereux quand même là de pas relancer hein, dans cette situation là. Hein. Parce qu'il y a trop de joueurs qui sont libres. Hein. Et là, il a une super attaque, mais après, je sais pas, ah, je sais pas honnêtement s'il va vouloir. Euh... Peut-être qu'il va faire ça, remarque, avec le gobelin. Et ensuite relever lui et blitzer peut-être avec, avec la sécurité ouais. Non il va peut-être encore reculer ça se trouve hein. Il va peut-être reculer et, coller, et mettre tout le monde sur la ligne <laughs> pour faire une dalka full. <laughs> C'est chaud là le Gophorid qui n'a pas été relancé, non Il sait que ça va passer à gauche avec le Snod, selon moi. Je renforcerai la gauche et marquer à droite. Ouais. Ah ouais, Elliot qui, qui réfléchit un peu. Il, je pense que mon avis, là, il réfléchit juste sur le fait que est-ce qu'il tape avec le 3K ou est-ce qu'il il libère quelqu'un pour pouvoir... Euh, mmh. Vous voyez, blitzer avec le, 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 le blitzer. Mais là, il a de quoi Là, il est en train de compter les cases. Hein. Je pense qu'il est en train de compter les cases pour voir s'il a une belle cage et qu'il peut se mettre une belle formation ici. Parce qu'après, il veut pas non plus trop se faire ensauvelir, hein, je pense. Moi, je vois l'attaque ici. Mais après, euh, pour l'instant, il nous surprend Elliot et il fait des choses qu'on... 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 Qu 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 oui, il pourrait... Non, il pourrait aussi caler lui, mais là, ce sera un petit peu chaud. Il pourrait le, le capturer, effectivement. Mais ce serait peut-être... Un... Oh ouais, là il compte hein. j'en suis sûr qu'il est en train de compter les petites cases. Il regarde ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Comment gagner a gagné de deux courants encore, l'infection je pense. <laughs> Exactement. Il va faire une daka ici, je pense, là, juste dans le coin là-bas là. là. <laughs> bonjour Sensei, bonjour à toi. C'est incroyable les gars, il y a deux, deux qui l'auraient cru avec un banc long comme, euh, comme mon bras, je voulais dire. Allez, c'est parti pour la gauche, c'est bon, c'était bien ça. Non, la question c'est ça en fait. Est-ce qu'il va y aller comme ça ou il va, il va tenter de. Bonne question. Est-ce qu'il va tenter d'être super agressif ou pas Ça c'est la grande question. Non, il cache tranquille. Hein. Il prend pas de risque. Il prend pas de risque. Il va cacher tranquille. C'est fou les gars. C'est fou. Elliot hein. vraiment, il maîtrise vraiment son, 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 son jeu. Il y va vraiment tranquillement. Là, il va peut-être le relever le ici et se mettre quelqu'un là. C'est pas trop pour pas que vous voyez qu'il passe dans la diagonale et qu'il arrive à le dégommer. On oh, ben va voir, là j'avoue qu'il me surprend, j'arrive plus à deviner vraiment ce qu'il va faire parce que on sait honnêtement jamais ce qu'il va faire. C'est vrai que là le fait de ça c'est que la moitié de l'équipe est dans le vent donc soit il revient tout le monde. Oh, c'est tendu, c'est tendu là. Surtout que lorsqu'il est à 10 avec une équipe un petit peu. Euh, et, et, vous voyez comme quoi la Daka elle est forte hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, la Daka ça marche pas contre les, contre les bons joueurs et tout mais non, ça marche tout le temps en fait les gars. Ça marche tout le temps. Ok, donc il va quoi Alors il va blitzer avec le 3 quarts Putain, je sais, je, je sais pas honnêtement les gens. Je sais pas. <laughs> non, bah non, voilà. Ok, ok. Et après il va se replacer là. Bon. Oh. Ah 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 Il a perdu l'esquive. Du coup, va-t-il Oh le 1 Oh là 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 là, là c'est fou le chat c'est fou Il vient de faire un double 1 Et le pire c'est qu'il est pas béni des dés en plus, hein, c'est ça le pire quoi. Il a pas eu des jets de dés incroyables, il y a, il y a que le WANTER donc il a été très beau sinon il fait quand même beaucoup de, de mauvais GD de dés. Hein. Mais il arrive à contrer, vous voyez, par son expérience. Ouais. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort, oui. Parce qu'un double 1 qui traîne là c'est toujours dur. Hein. Oui, il y avait des 1, hein, il y avait des 1 hein, qui traînaient. Hein. Prend deux fois le même TD, c'est terrible. Oui, oui il se fait attaquer deux fois par la gauche. et... Sauf que, vous voyez, on voit quand même qu'il s'est adapté, euh, Diomed Cette fois-ci, il a compris, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on avait trouvé que le tacleur était pas forcément peut-être le mieux placé, ou enfin je sais pas comment dire, mais... Alors que là, vous voyez tout de suite, son tacleur est, est tout de suite en meilleure position déjà. Il faut pas trop laisser trop de tours alors que pas facile. Ouais, ouais exactement, c'est vraiment pas facile, les gars. Hein. Entre le côté justement de vouloir avancer vite, mais en même temps de ne pas non plus laisser trop de tours alors que au cas où si tu te fais mettre la pression et que tu es obligé de marquer. L'orque a assez de mouvement pour bien bloquer. Oui, oh, effectivement, là je pense que l'orque est encore bien. C'est pas le G, pas le loin, pas du tout. Mais il doit être prudent là. Salut la Délafée, comment tu vas Alors peut-être oh, C'est incroyable les gars, mais le, le travail du bas-fond d'Eliot, franchement. Comme on l'a dit, hein, on n'était pas très motivé par ce match, mais Elliot a donné du feu à ce match. Il a donné de, du feu, regardez. Vous savez ça, le brasier, là hein Comment, à votre avis, il s'allume hein À la base, euh, au début de match, il n'était pas allumé. Hein mais c'est à cause parce que Elliot est tellement chaud qu'il fait brûler les brasiers. Ah, déjà, il nous avait surpris, hein, le match de, pour la qualification en 16ème. Il avait été très bon. Moi, il m'avait choqué. Il m'avait vraiment surpris. J'avais beaucoup aimé. Elliot, euh, Elliot moi je dis Elliot, putain j'adore écorcher les prénoms des gens. C'est Elliot en fait, ok. Elliot m'avait vraiment choqué, un peu comme Caltrop hein, Caltrop m'avait vraiment choqué aussi, hein. vraiment euh, assez intéressant. Mais surtout Elliot, Eliot c'est surtout parce que ouais vraiment il, il maîtrise vraiment bien sa game hein. Allez allez hein, ça perd des joueurs, ça perd des joueurs mais il a encore les moyens. Il a encore les moyens mais c'est vrai que ça commence un peu à... à se réduire hein quand même. Il va falloir faire gaffe. Alors j'imagine qu'il va mettre ce torque costaud ici et blitzer avec le blitzer euh, sur le gobelin peut-être Alors d'abord peut-être le gopherite, voilà. Le gopherite ici et ensuite le blitz sur le gobelin j'imagine. Ou peut-être qu'il veut garder une position forte, non, non il veut se mettre ici, ok. Ça passe Parfait en plus il va pouvoir du coup pusher et coincer totalement Elliot. Mais Elliot va pouvoir faire encore un tout droit mais cette fois-ci il n'y a plus de soutien. Donc c'est dangereux là. Oh mais non, mais non, mais non, ouh ça commence à devenir chaud hein, Elliot joue bien mais malheureusement il commence à prendre trop de dégâts Bon, là moi je pense que j'irai attaquer par la droite Ouais, j'irai attaquer à droite euh, je pense Parce que là, ça, je pense que tout droit ça me paraît trop dégueulasse là, cette fois-ci à cause du tacleur, c'est trop mauvais Ouh c'est pas bien quand même pour Elliot là, hein. malheureusement il se fait trop réduire là et c'est vrai qu'on l'avait dit quand même le tour d'avant. On l'avait dit, on l'avait dit. Est-ce que c'est pas trop dangereux d'avoir un peu trop de tempo Et bah la réponse est peut-être que oui. Hein. Il y a peut-être trop de tempo là. Après bon, il fait un très beau tour euh, en faisant une moins 2, une moins 3 je crois. Mais euh, bon. Va-t-il pouvoir renverser ça avec euh, à peine que 5 joueurs sur le terrain Ah oh, moi je verrais bien une attaque à droite là. Mais c'est trop compliqué là. En hein. oh, plus Il peut même pas se mettre hors de portée du tacleur. Ouais, le tackleur le rattrape quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Ou attaquer ici Même pas, il peut pas, il a pas la portée, ah si Il ferait une esquive, 1, 2, 3 4, 5, 6, attendez 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, oh il peut, mais ce serait, ce serait Oh là là, ce serait couilleux hein. Ce serait couillu, pardon, non il peut pas Il peut pas, c'est trop agressif, oh, c'est chaud Les gars là 2, hein. 3 tours de stade C'est jouable, là. Hein. Je suis. Alors, juste pour info, le match Galato démarra vers 17h ou à peu près. Ah, pas mal, les gars. Hein. Enfin, 18h, ok. Se mettre derrière le troll, bah, ça serait l'objectif, ouais, effectivement. Se mettre derrière le troll, ça serait vraiment l'objectif. Ah, oh, oui, d'ailleurs, il y a un trou là. Mais oui, tu me fais penser à ça. Il y a un gros trou là, quand même. Hein. Non, il part à droite en mode YOLO. Ah, oh, c'est chaud là, quand même. Hein. Donc, il va blitzer sur lui, mais. Ah, ça vend pas du rêve là. Hein. Ça vend pas du rêve. Donc, il va ramener le gobelin. Même pas. Hein. Et il va blitzer du coup ici là. Il va blitzer là. Et ensuite il va faire passer le gobelin dans la. Pour venir ici. Et ramener le 3 quarts ici. Waouh. Oh c'est dangereux les gars là. Oh franchement là je commence à plus trop y croire là. Ah ouais 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 ça c'est peut-être mieux ouais. Parce que là il va avoir beaucoup de mal à... à contenir tout ça. Donc ça veut dire qu'il va ramener du coup lui ici. Ou là plutôt peut-être. Il va faire ça et venir ici. Et le gobelin il va essayer de le ramener en, en catastrophe. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, ah, c'est fou en plus hein. Allez, allez. Oh même pas. Ok, ok. Ah oui, c'est le gobelin qui ramène là-bas. Oui, parce qu'en fait, il n'y a, a personne qui peut aller le chercher en fait. Hein. Oh, je suis quand même inquiet là. Hein. Je suis quand même inquiet, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire là. Hein. Parce qu'en fait, il y aura toujours la tour de contrôle. Regardez, moi je ferais quoi, je... donc tu tapes avec lui ici, ok, je pense que je foutrais en dehors le gobelin, et comme ça je... avec lui, pourquoi pas, hein. et comme ça je reviens ici, et ensuite tant qu'il y a le tacleur et l'autre là euh, sur le côté, c'est bon, il peut... il peut pas attaquer, il peut pas attaquer, voilà, tu mets lui là, tu mets l'autre bitzer de l'autre côté, et je pense qu'il ne peut pas attaquer, hein. là pour moi c'est mort, hein. Ah, et ensuite, il va devoir prier avec ce son... Oh là, putain. Oh, dommage, il nous a vendu du rêve, mais là, il a trop tempo. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, il veut garder le match nul. Oh, moi, j'y crois pas trop, là, au, 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 au match nul. Hein. Sauf, c'est vrai que sauf s'il arrive à partir. Ah, c'est vrai, vrai que t'as peut-être pas tort. Hein. Parce que s'il arrive d'un coup à partir à l'aventure, c'est pas sûr que l'orc arrive à revenir. et, et Parce qu'en fait, il, doit, il, il devra peut-être parquer en 2-3 tours. Hein. Et Ça, c'est pas si évident. Hein. On va voir, on va voir ce qui va se passer, on va voir s'il va se faire emporter dans euh, Dans le mauvais... Dans un mauvais choix, on va regarder. Il y a quand même un monde où il y a un mauvais play. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou Et qu'est-ce qu'il vient de faire Il y a plus personne pour, pour défendre le côté gauche Il est fou. Mais tu fais comment pour revenir Attends, attends, je suis pas aveugle, on est d'accord que normalement il peut pas revenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah oh, pardon j'ai rien dit, non c'est bon De Gaufferit il pourrait le faire eh. De Gaufferit il peut le faire Ce eh. ah, troll pourrait blitzer et revenir ici Bah hein. là pour moi il va, il va aller là, hein. il va aller à fond à gauche hein. Pour moi il va aller à fond à gauche et ensuite, il peut réussir à obtenir des résultats pour essayer de capturer déjà, soit lui avec le troll ou. Bon, ça va, il a gagné il il a, il a de go for it, mais on sait jamais, hein. Un petit double 1 et c'est fini, hein. Ah, je ferai ça, hein. Je pense que je partirai vraiment au fond, là. Il faut craquer tout maintenant, là. Avant de se prendre à but. Allez, c'est parti, les gars. Hop. Putain, il a même pas besoin de faire go c'est incroyable, hein. Bon, ça fait peur quand même. Hein. C'est terrifiant là, par contre. C'est terrifiant là, par contre. Ah enfin, ouais, c'est chaud là. Hein. Après, voilà, il y a rien de safe, hein, parce qu'il y, y a pas de possibilité, vous voyez, de revenir là-haut, quoi. Oh, il a réussi. Oh, il a réussi le salaud. Mais non. Ok, donc là, il va pouvoir protéger. Euh plus ou moins son porteur. Et là, bah, il va devoir faire des esquives, c'est ça Pour revenir ici Pour protéger l'arrière Mais non. Ah, changement de. Oh, changement de plan, c'est bizarre ça Mais non S'il est réussi, je meurs. Il a fait un changement de plan, vous avez vu Ouais, il a compris que c'était mort. Il va tout lâcher, il va tout lâcher Il va tout lâcher Oh Mais non, il le réussit Incroyable La demi cachant le côté, incroyable et c'est fou, as, en plus il avait fait une action... mais c'est trop bizarre ce qu'il a fait. Ouais. Regardez. Il est, il est venu, donc, regardez. Il est venu ici, puis tout compte fait, il s'est dit... Attendez, il a, il, a, il a fait ça. Ah non, 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 mais non, parce qu'il il avait, il avait pas le choix, il était obligé d'esquiver, non, je suis d'accord. Waouh Quelle action, les gars Quelle action Il a dû faire, de toute façon, il devait faire du yolo, hein, il avait pas trop le choix. Il a réussi à faire une demi-cage, incroyable, en lâchant tout ce qu'il a, et puis oui ça panique derrière, ça panique, du coup il envoie du coup les renforts, ça panique, là je pense qu'il va blitzer avec l'orque noir ici, euh, le costaud, ici pour le rentrer dans l'art et essayer de bloquer le passage, mais ça commence à devenir compliqué, il se fait balader, c'est la balade Deux dés rouges avec le blitzer, ouais. c'est ça, il se fait enfermer au prochain tour, et là, et là, et là. par contre, au relance, au match nuit, il a la, tendre, a, à la perdante, oh ouais mais, non, mais là il était obligé, hein. il devait y balancer il est insaisissable. C'est du savon. Ouais, il était obligé parce que là, il sait qu'il va perdre. Il, là, il ne peut plus aller chercher la prolongation. Enfin, si, il était obligé de faire cette action-là. Sinon, il, il, prenait, euh, il prenait un but. Donc, il euh, n'y a pas trop d'intérêt à garder trois relances si c'est pour ne pas... Donc là, franchement, il, il, il est... C'est fou, il a réussi à retourner encore la game. Hein. Il retourne les dés. Hein. Puis ensuite, bah, il s'en fout un peu. Ça va être YOLO, hein. Yolo, puis je crois qu'il aura pas le temps de, de contre-attaquer. Oh là là, le joueur qui ne tombe pas, il va pouvoir encore tenter son célèbre 2D contre. Et ça, c'est bien joué parce que du coup, il veut l'empêcher de refaire le truc qu'il fait depuis le début. là Oh putain, du coup, ça oblige du coup peut-être à faire un go for it. Aïe 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 aïe. Est-ce que ça l'oblige pas encore à faire un go -for -it Pour essayer de maintenir. Il est obligé, je pense. hein Soit là, soit là. Oulala, là là là, 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 là. Et à mon avis, il va encore lui faire un 2D contre. Hein. Voilà. Ah attendez on va essayer de, de... Ça fait beaucoup, là, non là il y a une esquive à faire aussi Avec un, un bloc à un dé Mais c'est pas fou mais c'est vrai que s'il le réussit il se met bien oh, j'avoue il se met même super bien S'il arrive à faire cette esquive là avec le mais je pense pas On va voir Ah non le problème c'est qu'il a besoin de renfort il y a lui qui traîne hein. Ah il va aller chercher le Aïe 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 aïe, aïe, aïe les gars Ouais, Diomed est quand même bien placé. Hein. Le seul problème, c'est que je suis pas sûr qu'il puisse quand même profiter de. En fait, il faut au moins que, que Eliod arrive à réussir cette action. Ça lui permettra, je pense, d'aller chercher la prolongation, quoi qu'il arrive. Mais s'il rate cette action, je pense malheureusement qu'il risque d'avoir TD. On contre-attaque. Parce que euh, Diomed aurait assez de tours pour récupérer le ballon et de revenir là. Deux contre encore Et c'est parti Et ensuite, il, a couille, il va blitzer un dé avec son porteur il aura même du coup l'occasion d'aller chercher avec le 3 quarts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh Il pourra même récupérer le, le, le blitzer avec le 3 quarts. Incroyable Ah mais non, il peut pas, qu'est-ce que je raconte Bah non, mais il va faire un tout droit alors. Attendez, 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 attendez. attendez, attendez. 1, 2, 3, 4... Ah merde. Quoi qu'il a je crois qu'il est obligé d'y aller dans le tas là. Hein oh putain. Oh putain donc il va faire quoi là il va, il va esquiver avec le trois-quarts ici, et ensuite blitzer un dé et y aller Oh Non, il peut pas se permettre encore de faire deux décomptes, c'est trop là, pas le porteur Ou bah, ou YOLO hein. Le YOLO c'est juste la première esquive qui est dure, 4+, et après ça va quoi. Il faut qu'il réussisse cette action à tout prix pour avoir l'espoir du prolongation. Enfin, de gagner sur la mort subite. Parce que là, s'il rate l'action ici, sur cet endroit, je pense que c'est GG pour, euh, pour l'Orc. 3 joueurs sur le terrain, 4 joueurs sur le, sur le terrain. C'est beaucoup plus simple pour réfléchir. <laughs> ah, je pense qu'il hésite, hein. Il hésite à esquiver à mon avis avec son 3 quarts pour faire quelque chose d'intéressant. Mais là, s'il sait qu'il ira cette action, malheureusement derrière ses buts. Hein, parce qu'il va, il va... Enfin c'est trop compliqué quoi. Enfin, c'est la sortie dans le cas, du joueur. Ah putain, j'avoue que là c'est super. Parce que franchement, l'esquive 3 quarts est bonne. Mais en même temps, le, le, le fait que le coureur euh, se barre quelque part, euh, c'est intéressant aussi. Aïe hein. aïe 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 aïe. Non Il le fait avec le 3 quarts GG C'est fini It's over 9 mois, un beau bébé, je crois. Ouais, ouais, clairement. Bon, bah là, c'est la sentence. C'est fini, les gars. Victoire du coup. Euh, attendez, attendez, ça va dépendre. Ça dépend où est-ce que le ballon va tomber. Mais là, il va lancer, il va faire paf, paf, et le blitz. Mais attention, où est-ce que le ballon va tomber Si le ballon tombe en haut, il a encore la prolongation de possible. Si le ballon tombe en bas, je pense que c'est perdu. Allez les gars, il faut pas que le ballon tombe au mauvais endroit. Il faut que le ballon tombe en haut obligatoirement pour laisser un, une, un espoir à Eliod. Oh pas de chance quand même pour Eliod là. Vraiment dur. Bon, de toute façon, il a fait un 1 et un 2, donc quoi qu'il arrive, il aurait rien pu faire. Allez, maintenant, où est-ce que le ballon va tomber C'est le grand moment. Il faut qu'il tombe en roi à tout prix pour laisser un espoir de prolongation. Et, 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 il est où le ballon Il est où Oh, fuck Oh Ah, c'est pas bon, ça C'est pas bon C'est pas bon pour Eliod ça craint. Ça craint très très fortement. Le ballon est dans une très bonne situation pour euh, le joueur orc. Je pense qu'il va ramasser d'abord au trois quarts. Et ensuite, au tour d'après, il ramassera avec le voilà avec le blitzer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Allez, c'est parti. S'il le ramasse, CGG. Il a gagné, CGG. Bravo à lui. Quel beau match. Un peu triste quand même pour Elliott, franchement. Mais quel beau match. Oh là là, c'est terrible. Ah, peut-être qu'il va peut-être s'en vouloir, vous croyez, d'avoir tempo un petit peu trop, 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 trop. Pardon Oh là, j'aurais pu à parler. <laughs> trop, 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 trop. Hein. Je pense quand même qu'il a tempo un petit peu trop, même si c'était magnifique, c'était beau, mais. Ouais, il a fait un tour de trop alors qu'il avait une superbe attaque, je pense, à gauche. Et ouais, c'était un peu juste, hein. je pense que c'était un peu juste. Ouais. Aïe, 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 les gars, quelle fin de match ouais. Quelle fin de match alors si cette, si, franchement si l'action du 3 quart était passée je pense qu'il pouvait aller chercher la euh, peut-être pas la victoire mais au moins le... Oh dur pour Elliot hein. Quel match Quel match les amis Waouh Et ben bah, franchement pas mal hein. J'ai eu un petit peu peur au début de, de match mais là Waouh Bon ça fait un peu chier que ce soit alors qui gagne mais bon euh... C'est comme ça. Allez, je vous laisse un choix de notes. Allez, les gars, je vous fais un petit sondage. Qu'est-ce que vous avez pensé du, du, du match Alors, malheureusement, il n'y a pas 30 000, 30 000 de... Oh, je dirais que c'était un bon match, un hein, 8 sur 10. Pour ma part. Ouais c'est ça, je pense ouais. Domination tactique effectivement on l a senti qu'Eliod était vraiment très confiant avec son équipe. Franchement j'aimerais pas l'affronter avec une vraie équipe de, 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 de baffons parce que là bon bah c'est une, une fausse équipe de baffons malheureusement. Ouais, je pense que vous avez raison, je pense que Casgul a, a tout simplement tout résumé. Hein. Domination tactique d'Eliod, mais malheureusement, Diomed, euh, voilà. Ça bâche et ça marche. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que, bah, que je pense que Orc c'est bien parce que bah, bah c'est fort, hein. on voit bien quand même que c'est fort. Ça envoie des sacrées patates. Hein. 44 à 22. Et malheureusement, dans les 44, il a baissé à chaque fois, une chance sur deux à chaque fois. Donc, euh, normal aussi. Hein, avec peu d'armure avec euh, la châtaigne. Il a quand même réussi à lui mettre 5 blessures, hein, quand même, Elliot. Euh, euh, les actions de Blitz, ok. On va regarder bien sûr les euh, les esquives. Il en a tenté 3. Lui, il en a tenté, euh, tenté 46 sur 43. Euh, c'est pas mal, ça va. C'est surtout les foncer les foncer ouais. Et il en a raté qu'une seule qui a failli d'ailleurs être, être dangereuse. J'avoue, hein, je pense vraiment qu'il a raté à ce moment-là. Quand il, lui a raté le. Je pense vraiment qu'il aurait dû blitzer par le centre et avancer très fort. Ouais. Mais il a pas osé le faire, c'est bien dommage. Hein, je pense vraiment qu'il aurait dû le faire. Il aurait été en position du coup très agressive. Mais bon, dommage pour lui. Et ensuite derrière, il a pris en deux tours, il s'est fait casser la gueule. Il a perdu au moins 3-4 joueurs, je crois. C'était compliqué le, le chat. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du match Ouais je pense aussi hein, le match était quand même vachement intéressant. Dommage que ça se termine mal pour Aliod euh, pour Le joueur qui nous a quand même impressionné. Il était bon. Ah oh là, là 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 là, dommage. Hein Allez on va aller voir du coup. Euh, apparemment donc à 17h il y a le match de l'FE Pro, lui nous intéresse aussi. Nous intéresse. Pas mal, les gars. Pareil sur ce moment et réfléchir à Stall dans le coin adverse. Ouais. ouais. Je pense aussi qu'il aurait dû le faire. On nous, on l'avait dit, on sentait qu'il fallait y aller, mais bon. Après, on, on avait confiance en lui parce qu'il était très confiant dans son jeu, mais. Ouais, non, malheureusement, il a pris beaucoup de coups et il s'est fait coincer du coup. Ouais. Bon, bah, dommage. 15 minutes à combler, ouais. Ça, je peux le faire, les gars. Hein. Il y, a, il y a juste à, à, à me lancer sur un sujet et c'est bon, j'y vais direct. Hein. Je pense qu'il aurait dû, dû tester le troll à chaque tour. Ah ouais, quand il était bloqué avec juste un seul bonhomme, c'est vrai que c'est pas fou. Ouais. C'est vrai que s'il avait commencé à faire des blessures, euh, peut-être. Après, c'était une chance sur deux, hein, Mais bon, c'est vrai que s'il ouais, avait commencé à manger les gens, euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu mettre la pression. Hein. Tu penses quoi des murs porteurs Comment ça, mon mur porteur là Comment ça, mon mur porteur C'est moi qui vais te mettre un mur porteur, tu vas voir. Ah, j'aime détester les gens qui parlent de mes murs porteurs. D'ailleurs, est-ce que ça vous arrive jamais, non, des fois, de, quand vous allez chez les gens, vous toquez et vous faites ça, vous faites. Regardez, je, je, vous faites ça. Hein. Ah, c'est un, hein. ouais, un mur porteur, ça. Ouais, c'est un mur porteur, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. À une époque, euh, je le faisais, ouais. Ça m'amusait, ouais. Comme quoi, que le coup du mur porteur. Ouais. <laughs> La poutre. <laughs> <laughs> Parce qu'il porte les murs. Ouais. <laughs> ça vous avait jamais arrivé de faire ça, non? Ok, pour voir si le mur c'était un mur porteur ou c'était juste du parpaing. Et... Enfin, du parpaing, du, euh, du plâtre.